Et yo les petits potes, juste un petit message avant de lancer la vidéo qui est très très important les gars. Je tiens à rappeler que le casino est toujours gagnant, il n'y a absolument rien à faire contre ça les gars, c'est mathématique, vous pouvez rien y faire, vous avez beau être le plus beau, le plus smart, choisir la meilleure technique de martingale, tout ce que vous voulez, vous allez perdre de l'argent quand vous allez déposer, c'est normal, c'est mathématique, il n'y a rien à faire les frérots. Donc vraiment le casino doit être considéré comme un loisir, si quand vous déposez vous n'êtes pas prêt à perdre de l'argent, vous n'allez pas vous amuser quand vous déposez, il n'y a aucun intérêt à le faire les gars parce que vous avez des très grandes chances de perdre votre argent. Et en plus, bah, si vous prenez pas de plaisir et que vous déposez de l'argent sur un loisir, ça n'a pas de sens, les gars. Donc vraiment, il y a assez de choses difficiles dans la vie pour pas se rajouter nous-mêmes des choses qui sont difficiles. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions, pourquoi vous déposez, etc. À chaque fois que vous allez déposer, ne faites jamais des dépôts impulsifs. C'est la pire chose à faire, les frérots. Prenez soin de vous, vraiment. Si le casino n'est pas fait pour vous, que ça vous apporte plus de négatifs, il n'y a pas de problème. Il y a tellement d'autres activités que vous pouvez faire dans votre vie. Allez trouver une activité qui vous fait plaisir, du sport, ce que vous voulez. Passez du temps avec vos potes, vos proches, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Prenez soin de vous en tout cas les gars, je vous laisse avec la vidéo et encore une fois cette vidéo est à but de divertissement, ne vous abusez jamais à reproduire les comportements que je fais dans mes vidéos, les mises à laquelle je mise, etc. etc. Bonne vidéo, prenez soin de vous, oubliez jamais la vie, les gars la vie est déjà assez difficile, ne vous rajoutez pas des trucs difficiles, prenez soin de vous, kiffez la life et je vous dis à très vite, bonne vidéo les gars. 3, 2, 1 et c'est parti les petits potes, petit bonus cent. 11 300 balles, toujours un plaisir les gars. 26 bonus. Alors le seul gros problème de ce hunt les gars, c'est que ça a été fermé par mon médoc. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas formé un hunt. Il s'est pas raté pour son retour les gars. Break even 110. Paf. Voilà, direct. OKLM, salut Mofirek, salut tout le monde les gars, salut YouTube. On est parti du coup. Bon, on a des beaux bonus. On a du pirate pub, du stack game. Je pense qu'il a pas écrit les bons noms de slot à chaque fois. Big bass hold. J'imagine que c'est big bass hold and spin, mais j'ai pas eu la confirmation, on verra. Alors on va aller à la pêche au bonus, on a du Time of Madness, on a pas mal de choses, il a oscillé entre 3 euros, 4 euros, 5 euros, au feeling j'imagine, je sais pas ce qui m'a branlé, mais on a quand même du Wild West Duel, on a quand même du Wanted Duel, ça me plaît. Donc on va voir tout ça les gars, au moins ça change un petit peu des slots que j'ai l'habitude de farm, et puis let's go, j'ai hâte de voir. On est à 47% du WAD les gars, donc potentiellement bon retrait si... Si on arrive à pas trop se faire baisser. Salut les sudistes. Du coup, Pirate Pub, ça part direct. Allez, good luck les frérots. Good luck, good luck. C'est pas right. J'annonce, si on récupère moins de 10 000, Médoc est viré les gars. Je vous le dis, ça faisait partie du contrat. Je le vire. Je le vire. Big Bass Hold va payer. Ok, c'est annoncé les gars. Allez. Pirate Pub, je me souviens plus du bonus. Ah si, c'est un truc où tu cumules des wilds, c'est ça. Bon, setup de merde. Et le son, s'il te plaît, frérot. Pour l'instant, setup de merde. Toujours setup de merde. C'est de la merde, les gars. Salut, mon scapin. Bienvenue, mon frérot. Je pense qu'on peut virer Médoc dès le premier bonus ou pas, les gars. Incroyable ce qui se passe, là. Je pense qu'il est viré, là. Je pense qu'il est viré, ce bâtard. C'est trop frère, c'est trop Médoc. Pour qui est-ce qu'il m'a appris de lui confier ça? Je le sens très très mal les gars. 11 000, 11 euros. Il a dit 11 000 ouais. C'est les 11 000 que je vais me prendre dans le cul. 11 euros pour commencer. Pas mal, pas mal. Je sens que la tendance c'était... 11 euros. On va mettre les trucs quand même. Voilà. Je sais plus ce que je fais. C'est pas là qu'on met les gars en plus, c'est ici. Voilà. Allez, Big Bass Amazon. Encore, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a aidé à me chercher lui. C'est une nouvelle big bass encore ça? Magical spin. Bon, pas de back-to-back. Ça mérite pas, les gars. Big bass Amazon. C'est une nouvelle, je pense. La nouvelle. Salut, mon Rasta. Salut à ceux qui nous rejoignent, les gars. En tout cas, j'espère qu'on va passer un beau bonus hunt. Je rappelle qu'il y a pas mal d'enjeux, les gars, parce qu'on est à 50% du Wager quasiment. Et surtout, bonus hunt à 11 300 euros, les frérots. C'est quand même un sacré hunt. J'espère que ça va pas nous décevoir. Il m'a enlevé le son sur toutes les slots, lui. J'ai pas ce qu'il faut faire. Il faut cliquer sur les trucs, retirer le poisson le plus bas. Salut, Scarno. J'ai très très peur de ce hunt, les gars. Que des bonus de merde. Salut, mon Dark Dog. Bienvenue, frérot. Setup pas ouf du tout, ouais. Merci, pour l'info. Je vais déprimer avec ma petite canne de monster. Catastrophe. Si les 20 bonus sont comme ça, les gars, ça va être long. Elle est horrible cette slot.
Ils ont complètement craqué sur Big Bass, les gars. Ok. Bon, malheureusement, on est déjà en x10. Ouais, tu peux refuser, Bichef. Si tu le coches pas avant le dépôt, tu as pas de bonus. Tu n'es pas obligé de le prendre, comme sur tous les casinos. Il n'y a aucun casino où tu es obligé de prendre les bonus du premier dépôt si vous conviennent pas, les gars. Non, pas d'accord, elle est top. Bah là, sur le premier aperçu, je dirais pas ça, quoi. Et Doc, ça se passe comment, là? C'est très grave, ce start de hunt. Ça me rappelle des mauvais souvenirs avec mon médoc. x3, x4. Stack M, c'est parti, les gars. Qu'est-ce qui m'a pris de lui confier le hunt? Quelle dinguerie s'est passée dans ma tête quand on a bump par 11k et j'ai dit « Tiens, médoc, est-ce que tu veux le farm ?» Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Aïe, 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 aïe. C'est bien, t'es proche du break. Ouais, on est juste en dessous, les gars. C'est encore jouable. Ah là 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 là. Bah, la farm sur Discord, les gars. Hier, il a dû farm le hunt sur Discord. Du coup, j'imagine que c'est pas le seul à avoir fait les calls. Mais bon, c'est quand même le responsable, les gars. Ok, prends des cœurs. 4, c'est dommage. Salut, mon Greg. Bienvenue, mon poulet. Ok, bon, le start est pas ouf. Là, ça pète. Ah, t'es ambitieux sur Stakema. Ça peut, hein. Et pour l'instant, ça peut surtout ne pas péter, hein. Les cœurs. Ok, ça c'est bien. Il n'y a rien qui connecte, je crois. Super. 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 Putain, on connecte pas avec le X. Quel dommage. Par contre, là, on va monter le multi, ça c'est cool. Au moins x100, non? Ouais. Parfait, les gars. Les cœurs. On progresse, les gars. On fait une montante sur les multi, les frérots. Waouh. Ok, très bien. Big Bass Hold. J'imagine que c'est Big Bass Hold and Spin, non? Ou c'est vraiment Hold? Et c'est une que je connais pas. Okay, très bon début. C'est plaisir. Ça ne doit pas être ça, du coup. C'est pas écrit à lui aussi, là. Troller. Commence à quelle heure le hunt? Dans quelques bonus, frérot, t'inquiète pas. Catastrophe, les gars, on a récupéré 100 balles en 3 bonus, sur des bonus à 4-5 balles. J'ai pas fait de points sur le break-even pour pas me déprimer plus que ça, les gars, mais on est très très mal parti, évidemment. Allez, s'il te plaît, là. Pas possible, ça, 115 balles en 3 bonus. Allez, on va pas se plaindre, les gars, on chope un petit poisson, salut mon loulou. Catastrophe. Et donc, il est en train d'anéantir tout le travail de Thibaut, les gars. Petit bump qui nous fait bump à 11k hier. Voilà. Se retourner dans son lit là. Ok. Par contre, on a 3 pêcheurs. Peut-être qu'on va aller chercher le x2. Ça pourrait être cool ça. Bah, pour moi, on passe en x2, c'est sûr, les gars. Hein. Parce qu'on n'a pas encore atteint le x10 ici. Donc normalement, on va en x2. Après, les gars, il reste beaucoup de bonus, hein. Médoc est plein de ressources, les frérots. Médoc est plein de ressources. Je pense qu'il va pas nous décevoir, les gars. Oh, bazooka, let's go. Oh, cette features. Alors, en vrai, les gars, j'aime bien taquiner mon Médoc, mais je suis confiant, les frérots. Je suis confiant. Je pense qu'il a le mojo en ce moment, les gars. Et il va nous faire une petite dingue sur un des bonus, là. Allez, déjà, on progresse, les gars. On va aller chercher les 100 balles. Bazooka sur 2 pêcheurs, c'est nice. Ouais, il était pas si ouf que ça. Le problème, c'est qu'on a pris toujours des petits poissons. Ça aurait dû être pas mal du tout. Allez, x2, s'il te plaît. 3 pêcheurs. C'est pas mal, ça. Ok, on est déjà à quasiment 250 balles. Très, très bien. Record battu, les frérots.
Ah là, le problème, c'est que là, on met la barre un peu haute. Hein. D'un coup, on franchit un palier entre 60 balles et 260. J'ai un peu peur que derrière, ça stagne. Ok, Dina, il reste 5 spins après pour empêcher un passant x3, les gars, en vrai. Hein. Mais peut-être le bonus qu'on attendait. 75 balles, 150. On est presque au x100, les gars. Presque dans le vert. Moi, je dis positif avec 17 000 minimum. Et Madame Irma, du Far West, hein. Prédire 17 000 balles sur ce bonus, là, sur ce hunt. Alors, les gars, par contre, on passe en x3. On passe tranquillement au x3, les gars. Et on passe au x100. Incroyable, Médoc. Ça y est. Casino et ses dangers. C'est exactement ça. Salut, moi, Astouille. Salut, BG. Ah, très bien, ça va nous remettre un peu dans le tempo, ça. Prends même de l'avance. Attendez. Peut-être que c'est le bonus qu'il nous faut, hein, pour complètement tout relancer. Oh, là-dessus, ça aurait été incroyable de prendre le pêcheur. Ok. Allez, x3. Troll pas. Allez, tu me rattrapes toutes les merdes qu'on a pris au début, là. Médoc, le comeback, hein. Ah, la cote de Médoc est en train de remonter en flèche. Oh, le fils de pute. x3 sur un 6 balles, c'est des chiens. Dommage. Après, on a un petit pêcheur, les gars. Il en manque 2 pour passer en x10. Et là, le x10, ça serait quand même quelque chose, hein. Sur une big bass, c'est quand même pas tous les jours. Là, tu pouvais pas mettre le x3 ici, là. Allô ? Allô ? Allez, s'il te plaît, le. Oh oui, monsieur! Voilà, mon Médoc! Et le x10, les gars, j'y croyais pas du tout, les frérots. Je n'y croyais pas du tout. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Le comeback! Allez, x10. Plus 5000 balles. Hein. Alors là, les poissons à x10, les gars, ça peut être insane. Qui c'est qui critiquait mon Médoc? Cool, let's go! Easy, les gars! Easy! Qu'est-ce qui se passe ici? Qui c'est qui a douté? Qui c'est qui a douté, les frérots? Putain. Sur une slot mal orthographiée, en plus. Hein. C'est dommage, on prend. Ok. 1985. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Ah, les gars, j'aurais pas misé un copec sur cette slot, hein. Moi, j'ai douté. Ah, moi, pas une seconde. Oh putain, 150 balles. On va pas aller chercher 3000 balles sur une big bass, quand même. Surtout sur celle-là. C'est incroyable. J'ai jamais autant collecté en x10, les gars. Incroyable, 3000 balles. Easy, les gars, easy. Ça y est, Médoc. Il est là. Hein. On va l'entendre parler maintenant. Hein. Ça va se la racler dans le chat. Très, 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 très beau bonus, les gars. Je crois qu'on passe au-dessus du break-even. 3035. Incroyable. Putain, souffle chaud le froid, mon Médoc. Hein. Incroyable. 3035 fois 1000 sur Big Bass. Pourquoi il m'a mis ça à 3 euros? Ah, parce qu'il y avait le spin boosté, je pense. Donc ça, 1 x 1000, en enlevant le spin boosté, on passe sur un multimoyen à 261, les gars. Oui, mon Médoc. Allez, Cursed Seas, ça, j'aime beaucoup. Avec un bonus comme ça, les gars, c'est quasiment impossible. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, les gars, ça me fait penser. Mais si on finit le hunt en bénéfice, les frérots, je ferai 5 giveaways de 20 balles dans le chat. 5 giveaways de 20 balles en cash sur Magical, pour ceux qui, si on finit le hunt en bénéf. Et je rappelle que sur Magical, en passant par mon lien d'affiliation, les gars, vous avez 10 euros offerts sans avoir besoin de dépôt, sans aucune obligation, les gars. La seule obligation, c'est de rentrer. Faut vous créer un compte avec mon lien d'affiliation. Vous cliquez sur mon lien d'affiliation, vous créez un compte, et pouf, vous êtes affilié. Ensuite, vous allez ici, là, dans votre magicien, code promo, et vous rentrez le code. Quand ça lag pas, je vous montre. Team Chauve en majuscule. Et si vous êtes bien affilié à moi et que vous faites claim, vous avez 10 euros qui vous sont offerts pour découvrir le casino. C'est cadeau, les frères. Allez, let's go! Je me retrouve à regarder le hunt en vélo. Fais gaffe, frérot. Salut, Matin Anaïs. Allez, Curse 6, continuons à ça. Ne retombe pas dans les travers de Médoc, là. Très, très beau bonus. Bizarre, celui-là, par contre. Bizarre, bizarre.
À tous les coups, c'était pas le call de Médoc, hein, sur le teint. 100%. Hein. On le connaît, hein. Celui-là, c'est le bonus punition. C'est pas grave. Allez là, putain. Ok. Celui-là, on va vite passer à autre chose. Cursed Seas. Bon, c'était pas le plus gros, il était à 3 balles. Pas très très grave. Je préfère d'être sur celui-là. 41 balles. J'ai hâte d'ouvrir Wanted et Always Duel en vrai. Safari of Wheels. Alors celle-là, je la connais pas du tout, les gars. On va aller checker ça. Safari of Wheels. Safari of Wheels. Qu'est-ce qui m'a branlé ? C'est ça qui m'a écrit, non ? Le problème, c'est qu'il sait pas écrire mes docs. Tous les coups, il s'est trompé dans l'orthographe. Ouais, tous les coups, j'ai pas la slot. C'est quoi la slot, mes docs ? Putain, il me rend fou. Je vais aller sur Starlight en attendant, les gars. C'est trop sa vie. Hein. Starlight Princess. Comment passer les recrutements des providers ? Ils sont payés comment ? J'ai rien compris, le film. Comment passer le recrutement des providers ? Ils sont payés comment ? C'est quoi cette question chelou ? Incroyable. Allez, Starlight, les gars. Équivalent d'un bonus à 3,60. Fermé à 4,50. Avec le double chance. Connecte presque d'entrée. Ah, salut mon Raven. Il avait enlevé son VPN, je crois. Putain. Rien enlevé du tout, c'est Médoc qui a enlevé son cerveau quand il a farm et qu'il a écrit le tableau. Allez, multi, multi, multi. Les jaunes, ils peuvent reconnecter. Lui, il en faut 3. Ah, dommage, pas de multi là-dessus. C'est un bonus de troller, on reconnaît, hein. Dommage. Dommage. Ah, troll de fou, les gars. Ok. 3-4, c'est de la merde, hein. C'est compliqué, là. C'est quoi la slot, du coup, Médoc ? Machin Wheels. Starlight, elle m'avait pas manqué, les gars. Elle m'avait pas manqué, Starlight. Dommage. Du coup, 54 balles, c'est de la merde. Et on va aller sur Gluttony. Je sais pas c'est quoi ça aussi. Gluttony. Ah, c'est sûr que ça marche, Hades. Hein. J'en ai encore plusieurs qui ont profité du bonus aujourd'hui. Safari of Wells. Ok. Ouais, donc déjà, c'est pas Wills. Safari of Wells. Je vais réessayer à ça. Après ça... putain, mais c'est pas écrire mes docs. Hein. C'est vraiment un délire. Hein. Chauve, il faudrait que tu recadres la slot. On voit pas les spins. Ouais, c'est que sur Starlight et sur Gates, ça, mon bro. Sur les autres, normalement, ça marche. Il faudrait que je recadre, effectivement, à l'occasion. J'ai la flemme de remodifier l'overlay et tout ça. A mon avis, c'est que t'es pas passé par le lien, Adès, si t'as pas les 10 euros, c'est sûr, certains feront. Envoie un message au support. Ils te diront si t'es affilié à moi ou moi. Ok, 89 balles. La seule raison, c'est que t'es pas affilié, je pense. Jamais trop kiffé cette slot, hein. On dirait Nium Nium du pauvre, en fait. Slot de goinfre. Ouais. Slot de pauvre, hein. 185. Pas ouf. Mais donc, il va carrer tout le hunt avec un seul bonus, les gars. 185. Alors, je vais essayer Safari of Wells. Safari of Wells, les gars. Vous voyez branler avec ça fait un fois un VPN. Tu l'as mis où le VPN, Doc, quand tu l'as farmé? Oh, je vais aller sur Wanted Duel en attendant, les gars. On va aller sur Wanted, les gars. Ça, c'est un bonus que j'apprécie ouvrir. Enlève le VPN, mais en France. Je verrai, les gars.
Bah, j'ai essayé avec Zafari tout à l'heure, les gars. Salut, couille vide, bienvenue, mon frérot. Je rappelle que si on finit l'un en bénéf, les gars, il y aura 5 giveaways de 20 balles. Et sur retrait, le Wadger, bah, vous connaissez. Ça dépendra du retrait. Mais il y aura un bon petit paquet de give, les frérots. Allez, good luck. Wanted, duel. 5 VS, exactement ce qu'on veut. Après, je vais pas te mentir trop, 4 points aussi. Hein. VPN en Afrique, vu que c'est un safari. Être ok ça s'il y a des bons multi. 8 x 100 ici. Pas ouf. Dommage, c'est déjà ça de verrouillé. 300 balles. Oh non, y'a rien qui connecte. Y'a que les valets. Oh, les barils, ah, les barilets, mon gars, quel dingue! Dommage! Oh là là, j'ai cru qu'ils connectaient les barilets contrôle de fou, les gars, là. Dommage. Meilleur symbole, évidemment. Ah, ok, les rois, très bien. Ah, c'est un bonus de troller. Hein. Quand même beaucoup connecté. On va prendre x100, mais quel dommage. Ouais. Ok, c'est déjà ça, les gars. Ça pourrait être un dead. 402 balles. Et on va aller sur Wild West Duel. 102 balles, je vais sur Wild West Duel. Je sais pas c'est lequel qu'on a eu d'ailleurs. J'ai pas l'info. Wild West. Je rappelle qu'on a 47% du Wadger. J'ai vu la question passer, les gars, dans le chat. Donc à voir à combien on finit. Salut Skyzen. Ouais, bien sûr, Lopnose. Bien sûr. Salut mon Jouf. Bienvenue BG. C'est toi le bel homme. Arrête de m'exciter. Beer Game à 5 balles. Allez, ça part. J'aime bien ce petit bonus, il est dur, mais j'aime bien. Ok, start qui peut être ok. Et on peut maxer la ligne là. Ah, ici, ça sert à rien. Ah, c'est bon, frérot, fallait mettre le code Team Chauve dans le code promo. Aïe. Ouais, c'est sur Magical Jetix, la vidéo de ce matin sur YouTube, Camino. Ouais, ça va être compliqué par contre. Hein. Ah, t'étais pas si dégueu. Ouais. Dommage. Oh, mais quelle horreur! Quelle horreur, les frérots! 34 balles. On descend aussitôt, hein. Est-ce qu'on est toujours au-dessus du multi-moyen, d'ailleurs? 34 balles, quel dingue. Putain, c'est quoi ce hunt, frère? C'est soit des merdes absolues, soit du vert. Y a pas d'intermédiaire, les gars. On est encore au-dessus du break-even, les gars, parce qu'on a un petit moyen à 136 sur 9 bonus ouverts. Il nous en reste 17 du coup. Et on a récupéré 3008. Donc pour l'instant, on est parti pour récupérer. Mais bon, ça va être compliqué quand même. Stormforged. Pas facile celle-là en ces derniers temps. Quand même stylé. Hop. Dead de chez Dead, la plupart des bonus. Heureusement qu'on a eu ce petit big bass. Ça aurait été une catastrophe, les frérots. On a quelque chose d'offert avec Celsius. Tu dis en ta figure à moi, Camillo ? Bah, t'as la Wadger S à 3000 balles tous les mois, plus les events quand je retrais, plus après les bonus de bienvenue. De toute façon, vous avez tous mes liens, les gars, sur mon Discord. Si vous avez des questions, venez me voir sur Insta, sur Discord. Sinon, vous faites point d'exclamation site aussi, sur le live. Ok. C'est de la merde. Alors, faire mieux que ça, les frérots. C'est trop dur ce bonus, hein. Que ça fait là, ici. Line ou pas? Ouais. Bon, ça limite un peu la casse, on passe en x50. Dommage, les wall étaient pas si mal, hein. Ok. 178 balles, les gars. On fait un petit back-to-back au cas où. 178. Pour une fois qu'on est dans le orange. Et on va aller sur Tomb of Madness. Ça, j'aime bien Tomb of Madness. Ça fait longtemps. 5 effets de portée en plus, c'est plutôt ok. Alors, Tomb of Madness. Je vais devoir changer le VPN. Il me casse les couilles. Hein. Alors, attendez, les gars. Je vais changer le VPN de place. Parce que visiblement, Medoc a pas fermé dans la même jeu qualité que moi. Et je revois Narcisse au début du jeu qui me disait
change rien, les pépines. Petit trou du cul, va. Allez. Alors, attendez, je vais tenter Safari of Will, du coup. Voilà. Et ben voilà. Allez, ça part. Je vais faire Safari of Wells du coup et j'enchaînerai avec Tom. T'as besoin d'un VPN sur Magical? Non, mais en fait, ça dépend. Parce que là, c'est Médoc qui a farmé l'Hunt Miss Mute. Du coup, il a pas farmé dans la même localité que moi, j'étais là. Du coup, forcément, il y a des slots qui sont accessibles ou pas accessibles en fonction de la zone où tu farmes ou du VPN dans laquelle tu mets la zone. Mais moi, je trouve que sur tous les casinos, les gars, c'est bien d'avoir un VPN. Hein. De façon générale, sur Internet, déjà, pour sécuriser. Ok. Je sais pas si c'est un bon setup, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas du tout la slot, les gars. Je sais pas comment ça marche. Ça se passait des trucs ou ça se passe comment là? Moi j'habite à Gland. Putain. Ah, t'as touché toujours, tu mérites d'être battre. Moi j'aime le pornoqué. C'est passé quoi là? Les gars, vous... y'a les fils qui se touchent ou quoi dans le chat? Qu'est-ce qui vous arrive? Tu veux que je banne Batato? Depuis quand tu me demandes pour le ban déjà? C'est un progression ça, Will Watt. T'as failli te faire avoir, je crois. Ouais. Je vais pas mourir si je me fais avoir par la petite phrase de merde, hein. Je crois que ça existait plus, ça, les gars. Pourquoi ce pôle de merde? Les 20 spins de l'enfer, tu sais, il se passe rien du tout. On dirait Alpha Eagle quand t'as 20 spins. Tu fais 25 dead. En Suisse, il y a une ville qui s'appelle Gland, en vrai. Je vais arrêter de lire le chat. Je sens que vous n'êtes pas dans le bon délire. Vous allez me fatiguer plus tôt que prévu, les gars. Calmez-vous. C'est quoi votre problème, là? Bon, c'est quoi ton problème aussi, slot de merde, là? Putain, 130 balles. On n'aurait pas perdu grand-chose à l'oublier, celle-là. Allez, 130 balles. Vous savez quoi, je vais aller directement sur Tomb of Madness. Et je vais rajouter ça dans le tableau. Tomb of Madness. Boum! C'était 1x33, du coup. Allez, Tommy! 5 balles, Tommy. Sur TNT YouTube, lire le chat, c'est magique. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Quand même des animaux dans ce chat, hein. Allez, Tommy, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un bon start, ça. Oh, un très bon start. On a celui-là, là, qui est bien placé. Pas mal. C'est pas mal du tout. Il nous reste deux cases, les gars. Je vais placer celle-là, ici, et l'autre, elle est où? Elle est là. Il y a les deux, ici. Trois effets de portail. Le vert, là, ça devrait passer. Nice. Et il manque le côté, ici. Dernier jet de lire. Ah, c'est tout rien. Soit t'as le ch'touloulou, ça peut être un beau bonus, soit t'as rien et tu te fais baiser. Et ben je me fais baiser. 154 balles, dommage. Dommage mon Tommy. Ouais, absent. On a réussi à faire un 4000 sur l'une, je suis même pas sûr qu'on va gagner de l'argent, les gars. C'est incroyable. C'est sur back to back. Pas de back to back. On a pris combien déjà? 154, hein. 154 balles. Et on est pile au niveau du break-even, les gars. C'est incroyable, hein. Malgré ce petit... Alors, Pirate Golden Age. Ça, c'est une bonne machine. À 4 balles, ça me fait plaisir. Je me ferai un petit achat mental à 1K, quand même. Je trouve bien, là. Pirate Golden Age. Allez, c'est parti. J'aime bien cette slot. GG chauve. Salut Valrom. Pourquoi GG, frérot? Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'y crois, ouais, t'es positif. Ah bah là, on est encore carrément en course, les gars. C'est déjà un miracle d'être au-dessus du break-even après 10 bonus avec les bonus qu'on a eu. Hein. Merci Big Bass Holden Spin. Allez. Imaginez Médoc nous faire end en bénéf avec un break-even à 110. Ça serait beau quand même. Start. Ouais, c'est vraiment pas un start de ouf pour l'instant. Remonte au KA. Ni le taf du coup, frérot. Ok. Allez, tout de suite une pièce, 3 spins, et ça peut être stylé. Allez.
Allez, 3 spins, s'il te plaît. Salut, mon Smoky. Ok, là, j'aime bien ça. Smoky, t'es cool de merde. Ça, c'est pas une news, les gars. À quel moment vous l'avez déjà vu faire un bon call, ce trou du cul? Oui, c'est pas mal, ça, les gars. Donc, 3 pièces pour passer au niveau 2, on a encore 5 spins. Si ça enchaîne vite, ça peut être assez stylé comme setup. Nice, nice, nice. Dommage, j'ai pas la full line. Attendez, les gars, il nous manque une pièce, là. On passe en niveau 2, on a 4 spins. Si ça troll pas, ça peut être très très bien. Oh, vache. On va connecter, c'est cool. Allez, s'il te plaît, mets-la-moi tout de suite. Mets-la-moi tout de suite. Oh là, je sens qu'elle va me troll, cette connasse. Max Win, ta gueule, toi, putain. 2 spins. Pragmatique, je te jure, hein, c'est toujours pareil. Chaque fois que t'as un bon setup, t'as l'impression que tu vas te mettre bien. Il te troll, c'est tout. Dommage, les gars. Bon, c'est le x100 quand même, c'est du vert. On va pas cracher dessus. 425 balles. 425 balles. Quel dommage. C'est du gâchis avec le setup qu'on avait, les gars. On est toujours légèrement au-dessus du break-even pour l'instant, les gars. C'est putain de serré. Wakeed. Je sais pas c'est quoi ça. C'est qui vous a fait les calls de slot, les gueux, les gueux là? Wakeed. Le problème, c'est qu'il sait pas écrire, c'est grave. Je suis obligé de guess l'orthographe des slots. Ok, ok. Entre Waps et Smoky, c'était l'enfer. Tu m'étonnes. Alors, ça ressemble à une slot de Waps, non? Oh. Espèce de chaos crew du pot. C'est une limite. Éclater la slot, frère. C'est quoi ce bonus? C'est horrible. Bien mieux que Chaos Crew. Avec le design, il est affreux. Chaos Crew, elle est trop stylée. La musique est beaucoup mieux en plus. Y'a des multi ou pas? Ok. Campagne dingue. Sways. Ouais, superbe. Elle est insane vraiment. Ah, peut-être que je vois pas le potentiel encore. Hey yo mon Diephase, bienvenue à toi mon pro. Tiens, t'as 11 000 balles. Et on est un peu moins de la moitié de l'opening les frérots. Allez, x51. 50 balles, ça ressemble bien à une slot de WAP ça les gars. Allez, 204 balles. Ça, tu devrais mettre Medoc quand tu farmes l'un, si les gens farment avec toi, c'est qui les a farmes là, les pseudos sur la colonne shot color, ça aurait été cool. Qu'on sache un petit peu à qui on a affaire quoi. Allez, Temple of Torments, petit axo, ça fait plaisir. Temple of Torments. Et yo mon Gis, ça va ou quoi BG? On a ouvert 14 bonus les gars pour l'instant, il nous reste 12 bonus à ouvrir. On est en dessous du break-even, puisqu'on est passé à 107 de multi-moyen sur un break-even à 110. On est en train de chuter là, on est en train de chuter tranquillement mais sûrement, il faut que ça s'énerve. Allez s'il vous plaît les gars. Allez une petite dinguerie, il va nous falloir une petite dinguerie je pense, sinon on va jamais s'en sortir. Et je vais changer mon fusil d'épaule, les gars. J'avais promis 5 giveaways de 20 balles si on finit le hunt en bénef. Je vais mettre 10 giveaways de 20 balles en cash sur Magical si on finit le hunt en bénef, les gars. C'est posé là. Par contre, c'est du compliqué avec ce bonus. Pas mal par contre. Très bien. Arrivé au x100 quasiment. Allez. Dur hein. 290 balles.
Les Axons n'ont pas été à l'honneur aujourd'hui. Hein. 190. Allez, il nous faut du bénéf, bordel. Il nous faut du bénéf. Bovary Boys. Bien payé hier. Ça pouvait être le cas aujourd'hui, ce serait cool. Je pense qu'on a le premier bonus, sinon il m'aurait mis. Bovary Boys. Ça ressemble à un call de Chimbos. Salut mon Tox. Je savais pas que t'avais des si grosses couilles. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Qu'est-ce que tu me racontes? Salut mon Tristan. Allez, go. Bon, le premier bonus, il est quand même dur hein, sur Bovary. Allez. Tudu. Ah, c'est un call de Waps. Putain, ça va être la merde du coup. Ok, faut 25 pour l'instant, les gars. Pas 2, nice. Pas 50. Pas si mal. Salut mon Fabien, bienvenue mon bro. 40 balles, ok. Pas de multi. 100 balles. Attends, très bien ce petit bonus pour l'instant, les gars. Très très bien. Pour un bonus de Waps, si on fait x100, c'est insane. Ouais, pas de mal, pas de clé. Allez, il faudrait une dernière malle. Ok, avec une clé, c'est mieux. Ouais, j'ai des clés. Hein. Clé multi. Un va être gourmand. C'est bon, ça, hein. C'est le x100, je pense. 100%. Dommage, il n'y a pas de multi. Balle et... On est en x100 quand même, les gars. Grogging. Dommage. 36 balles, bon, moyenne as. En fait, c'est un beau bonus, c'est juste que le break-even est tellement pourri qu'il nous faut beaucoup plus que ça. C'est vrai que c'est chaud quand même, ouais. Sur Bovary, le jour où je mets un back-to-back, les gars, je vous jure. Alright. 36 balles. Vous avez vu mon petit accent américain au passage. Du coup, 107 de multi moyen pour l'instant, on est juste en dessous du break-even, c'est déjà un miracle. Il nous reste 10 bonus à ouvrir, les frérots. Et on a quoi comme bonus? On a du Cleocatra, du Five Lion, du Legacy of Dead, du Doghouse Multiwall, Monitoring 3, Book of Time, Pearl Harbor, Rip City. Très beau bonus en vrai, les gars, sur la fin du hunt là. Allez, on enchaîne avec. C'était quoi? Cleocatra. Cleocatra, les bros. Allez, Cleocatra, les frérots. Pearl Harbor, il est dur, non? Très dur comme bonus, je trouve. Salut Faya, bienvenue mon poulet, bienvenue à ceux qui nous rejoignent les gars au passage, j'espère passer un bon moment. Ça va péter, je le sens. Je sais pas lequel choisir s'il y en a un qui doit péter les gars. Peut-être Five Lion Megaways ou El Paso. Allez, let's go, clac 4 les gars. Salut Sex. D'accord, c'est pas un start de fou sur Cléo. Faire un effort. C'est un peu mieux ça. Des petits fois 3. Ouais. Une balle. Oh, bye good. J'aime bien ça. Je pense que c'est 400 balles, non? J'aime bien, on repart de l'avant, les gars. Énorme, énorme. Mais des premiums ici. Dommage. Très, très bien, ce petit. Très, très bien. X2, x300. x300, toute tranquillité, les gars. Ça manque de wild. Bah, des fois, il n'y a pas besoin beaucoup, les gars. 1559. Il fait du bien, celui-là, en vrai, parce que depuis tout à l'heure, on est en train de descendre le multimoyen. Ça nous remonte un petit peu. Très bon coup, le 4A. 1159. Hop là, 290, on revient juste au-dessus du break-even, les gars. Incroyable le suspense sur ce hunt, en vrai. Je rappelle qu'il y a 10 giveaways de 20 balles en jeu, si jamais on finit en bénef. Five Lion Megaways. Bon, on est tous d'accord qu'on va prendre Mystère, enfin, sauf s'il y a des avis différents, mais je pense que vous allez me dire Mystère. Vous voulez faire quoi, les gars, comme bonus? Mystère, jaune, vert? Dites-moi dans le chat. Mais je pense que ça va être Mystère. Prends le plus nul. Non, ça va, toi aussi. 6x40. Comment ça, 6x40? Celui-là, là, le vert.
Mystery. Mystère, mystère. Ouais, je pense que mystère, c'est plus fun, les gars. Après, on a 6 minutes. Ce que vous vouliez aussi. Bizarre un peu le setup. Bizarre le setup, les frérots. J'appelle un fail. Rien n'est fort en plus la slot. Hein. Voilà, je pense que pour finir en x100, faudrait reprendre une quinzaine de ritraga. Ouais, pas si mal en vrai, 100 balles. J'aurais signé au début si on m'avait dit que j'allais prendre 100 balles. Avec ce setup pour Rav. Les gars, c'est quoi ce bordel? Incroyable! J'ai pris le pire setup imaginable. Et on va s'en sortir avec un x50. Incroyable. Bah 229. Très très bien. Je suis heureux en vrai. On limite la casse. 229 balles. Faut savoir satisfaire de ce qu'on peut. Toujours juste au-dessus du break-even, les gars. Il nous reste 8 bonus. Legacy of Dead. Bon, celle-là. Fatigue cette slot. T'es sûr qu'il allait la mettre, mes docs. Legacy of Dead. Incroyable, avec tes 10 balles, j'ai spin à 20 centimes sur Money Train 3. J'ai eu le bonus, j'ai gagné 165 euros. GG, moi, désolé, frérot. Magnifique. Salut, ma petite biche. Comment il va? Poum. Pas si mal, le petit... Bon, de toute façon, faut des retrag. Voilà, je les piaf. Pour l'instant, on en fois 30. Ouais, c'est pas mal ça. Hein. Pas mal du tout. Parfait. On est magnifique, on est déjà en fois 100 là. J'adore les gars sur le bed, les gars. Et encore. Très bien. Ouais, billet. Hein. Petit billet, les gars. Et surtout au-dessus du break-even. Il manquerait juste un petit retrag. Ok. On dort un petit peu là. Il va rester 2 spins derrière. On va finir en positif OMG. C'est possible, hein? C'est largement possible encore, les gars. C'est ça qui est fou. Ok, ok. Très bien. Très, très bien, les gars. Ça nous fait un petit 717 balles qu'on va collecter tranquillement. Bon, pas de dinguerie, mais efficace, les gars. 717 balles. Toujours juste au-dessus, les gars, ça va être jusqu'au bout le suspense, je pense. Hein. À moins qu'on tape une dingue dans les bonus qui restent. Doghouse Multi-Hold. Très très bon bonus, ça. L'ouvrir avec le plaisir. Doghouse Multi-Hold. Il faudra commencer à réfléchir à la stratégie après pour finir le wager, les gars. Je rappelle qu'on a 47% du wager. Donc soit je garde pour refarmer un pour demain. Ça peut être une solution. Soit on se fait des gros achats et on tente le tout pour le tout. On fait des gros spins et on tente encore le tout pour tout le gars. C'est un peu les options qu'on a. Allez, Douglas Multihold. On verra combien on finit déjà. La stratégie est simple, Raptor. Trop bien, Raptor, en vrai. Chérie Papa. Il va faire des gambles. On verra après, les gars, on verra après. Ça dépend combien on finit, en vrai. Ok, bon là, c'est compliqué. Hein. Pas beaucoup de pattes, pas beaucoup de spins. On va prendre deux pattes sur le prochain spin, sinon ça va être très très complexe. Pas si mal le setup, les gars. Hein. Si on arrive à prendre déjà 3 spins. Si on arrive à prendre une petite x3 ici, là, ouais, et à très vite prendre les pattes, ça peut être pas mal. Pas trop. Mal à pattes. On a deux pattes, pas mal. Faudrait juste le x3 ici avec une patte, c'est insane. Hein. Allez, s'il te plaît, mets-le. Je peux le faire. Oh, elle l'a mis là-bas. Oh, elle l'aurait mis là, c'était incroyable, les gars. Faut prendre 3 spins, clairement. C'est encore jouable. Je vais pas se mouiller. Allez, bah c'est là qu'il faut le prendre le x3. Allez, s'il te plaît, mets-le très vite. Comme ça, on a les 3 spins avec ça. Les chiens bleus, peut-être. Dommage. Magnifique la full line ici, ça peut payer. Hein. Ah, bien sûr que ça paye, les gars, bien sûr. Allez, bon, déjà, c'est du bénéf. Enfin, c'est du x100. Elle dit, c'est de la merde. Il reste un dernier spin, je crois.
Ah, ce sera pas une dingue. Mais ça fait le taf. Ah, dommage, putain. Le dernier spin, ils ont troll. 513 balles. 325, un truc comme ça. 100, ouais, 127. 513 balles, très très bien, les gars. On se maintient toujours au-dessus du Wikiven. 513. Et on va aller sur Money Train 3. Non, mais vous avez eu Money Train 3 en spin, bande de fous. Qu'est-ce que vous avez été spin Money Train 3 déjà? Je m'étonne qu'ils prennent des break-even à 110 après. Hein. Money Train 3. Allez, ça part. C'est rare qu'on l'ait dans l'Evolucent Money Train 3. Par contre, ouais, quand tu veux. Il l'a acheté chauve. Non, il aurait pas fait ça, mon médoc. Et Wops qui répond à Will Watch, genre. Non, il l'a eu en spin. Non, c'est pas le bout, je pense pas, non. Non, il l'a eu, il l'a eu. Je pense qu'il l'a eu en spin. Si, on l'a acheté, mais on l'a eu en spin. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, j'ai des modos, ils sont tous défoncés. Tous fous. Ok, je vais enlever le turbo. On va avoir des petits premiums. On va espérer faire quelque chose. Dernier spin. Ok. Allez, faut ouvrir les colonnes. Oh, fois 18, c'est dégueulasse. Hein. On a que des petits nombres en plus. Ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Je sais même pas ce qu'il faudrait. Le mieux, ce serait quoi, les gars? Ce serait un Tommy Gun, je sais pas. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Même un premium, je sais même pas ce que tu peux faire avec ce set. C'est une catastrophe. Collecteur payé, ça pourrait être pas mal. Ouais, ouais. Un spin. Oh, ce bonus, mec, c'est quoi ce bordel? Là, il peut faire mal au break-even, les gars. On va 27 là. Affreux le bonus, les gars. Il est affreux. C'est une horreur. Qui reset tout. Ouh, j'ai jamais vu ça, les gars. Bon, là, on peut parler, hein. Collector ? Mais très très bien. Ok. Allez-y, les gars. Incroyable. Oh, Nécromancien, ça aurait été stylé, hein. Nécromancien collector, ça aurait pu être très stylé. Ok. Stylé ce bonus, les gars. C'est très très mal parti, hein. Il refait un nécromancien absorbé. Ok, 113. C'est du bénéf, les gars. Et c'est au-dessus du break-even. Miracle. J'ai mon dragon. Bah, les gars. Ça peut partir en couille. Hein. Ça peut partir en couille. Mets-moi un petit collector. Qu'il va se passer une dingue là. Je sais pas pourquoi, les gars. J'ai jamais vu un setup comme ça, les frérots. J'espère que ça va claquer. Allez, 3 spins. Ok. Voilà, le death, c'est un collector, je pense. Collector nécromancien. Ouf, dommage. Regarde. Quoi, ce bordel? On attend tous la dinguerie, mais ça se trouve, on va pas se passer de dinguerie quand même. Bizarre, hein. Très très bizarre ce setup. Dernier spin. Interminable bonus, ça fait 10 minutes qu'il a commencé. Allez! Oh, stylé les gars, mais bon, j'avais pareil, il manquait la petite étincelle quoi. 584 balles, on prend de ouf. 584 balles, les gars.
Ritrager sur Money Train 3. Faut quand même y aller. Très très bien les frérots. Allez, il nous reste 5 bonus à ouvrir. Pour l'instant, on est encore au-dessus du break-even puisqu'on a un multi-moyen de 117, ce qui est un miracle absolu vu comment ça avait commencé les frérots. Heureusement qu'on a pris Big Bass au début. Et il nous reste 2500 balles à récupérer en 5 bonus. Allez, Book of Time. Ça peut être chaud. Vous savez quoi les gars, j'avais dit 5 giveaways de 20 balles au début. Ensuite j'ai dit 10 giveaways de 20 balles si on finit en bénéf. Je vais changer, je vais faire 15 giveaways de 20 balles si on finit le hunt en bénéf les frérots. 15 giveaways de 20 balles si on finit ce putain de hunt en bénéfice. Allez. Book of Time. Ça sera sur le Discord les gars. Je ferai les gifs sur Discord. Ça sera tiré juste sur Discord. Ah, salut Luluquet. Bienvenue mon bro. Oh mon Chimboz, il arrive sur la conclusion du end. Bienvenue mon bro. Allez Book of Time. Bon celui-là il est dur quand même. Allez. Un bon symbole, ça paye un peu ouais. Ok. Mais ça pas mal, c'est pas un dead. Parce que la mise elle a 3 balles. Et très très bien, bénef, enfin, fois 100 quoi. Très bien. Ah, les gars, t'en prends 4 des souris là, t'es max. Hein. Et moi un petit full screen. Un petit full screen de papa. 1 balle encore, c'est très très bien, les gars. On est encore au-dessus du break-even. Hein. Folie, Suns. Qui aurait parié qu'on serait encore proche du break-even à 4 bonus left de la fin avec ce début de hunt, les gars. 560 balles. Très très bien. Fait le taf. Sans folie. Juste qu'il faut. 580 balles. Boum. Putain, mais les gars. Incroyable. La diff entre le début de hunt et la fin, là, c'est une dinguerie. Allez, perle à bord. À 4 balles. Il nous reste 4 bonus, les gars. Pas mal le petit comeback de Médoc sur les farms de Hunt. Hein. Pas mal. Hein. Après, je sais qu'il a été assisté de l'équipe, mais ils ont fait le taf, les frérots. Ils ont fait le taf. Très volatile les derniers bonus, mais c'est ça qu'on aime, les gars. C'est ça qu'on aime. Faut que ça pète, putain. Je vais réactualiser, je sais pas ce qui se passait. En tous les cas, les gars, on est déjà à 9000 balles. Ça veut dire qu'au pire des cas, on va perdre 2K. Salut, mon Kingu. Bienvenue mon bro, bienvenue à ceux qui nous rejoignent les gars. Internal server error. Alors par contre, s'il commence à plus me laisser ouvrir les bonus, ça va être chelou cette histoire. Il se passe quoi chez NoLimit là? Ça va se finir sur Pyro. En vrai, on pourrait faire un petit Pyro après. Hein. J'ai envie de faire des gros achats les gars, j'ai envie de tenter un petit achat 1K sur Mental après l'Hunt. J'ai envie de le tenter. Allez, bon, pour l'abord, elle m'a jamais fait une dingue. Je trouve pas ouf ce bonus en vrai. Un peu limité à... X2. Pété. Bon, exclamation magicale les gars pour les 10€ offerts. Et après si vous voulez déposer une fois que vous avez un compte affilié, vous avez 150% sur le premier dépôt, 50% sur le deuxième dépôt. Seul truc qu'il faut faire attention sur Magical les gars, le bonus de propre de bien. Les deux bonus de bienvenue sont trop bien. Ouh, pas mal ça. Parce que vous avez pas de... Boucher, nice. Vous avez pas de wager, c'est-à-dire que si vous bumpez, vous pouvez retirer direct. La seule condition, les gars, c'est qu'il y a un max bet. C'est-à-dire que vous pouvez pas acheter ou spin à plus de 7,50€ sur Magical quand vous êtes sous bonus. C'est le seul truc à savoir, les frérots. Il se passe quoi, là? 3. Tu veux, frérot? x2? On peut mettre le x2 si on comble la colonne là. Non, troll pas, dernier spin. J'ai jamais été positivement surpris par ce bonus. 212 balles les gars. 212 balles, ça c'est pas bon pour nos affaires. Pour l'arbor 212. On est toujours au-dessus. Pour l'instant ça va. Rip City. Il reste 3 bonus les gars. Dead ou Del Paso pour finir, c'est quand même assez stylé. Allez Rip City, fais-moi une dingue s'il te plaît. Comme ça on est tranquille.
Arrive pas à se mettre à l'abri, les gars. Retrait direct, Run Jesus. Aïe, aïe, aïe. Allez. Bon, le premier bonus sur Ipsis, il est quand même particulier. C'est dommage. Pas de multi, pas de symbole trop premium avec ce chat en bas, là. Très dommage, ça. Le chat aurait été plus, ça aurait été stylé. 60 balles. Là, 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 là. Allez. Il suffit d'un spin, hein, mais... Tellement dur, ce bonus. Je connais pas du tout Crisis MCC, désolé mon roi, je joue jamais dessus. Aïe, aïe, 85 balles, heureusement que c'était un bonus à 3 balles celui-là. Ça nous met un petit peu de plomb dans l'aile. 85 balles. Oh, ça va se jouer à rien les gars, ça va se jouer à rien du tout. Faut quand même qu'on récupère 1500 balles sur deux bonus les gars. Allez, Deadwood. Deadwood. Et je pense qu'on va prendre... on va évidemment prendre à droite, les gars. Ça va être chaud jusqu'au bout, les gars. Jusqu'au bout, les frérots. Je rappelle que si on finit le temps positif, les gars, je ferai 15 giveaways de 20 balles en cash sur Magic Hall. Ce sera tirage sur Discord. Et vous savez quoi? Même si on perd et qu'on n'est pas au niveau du break-even, les gars, enfin, du start, je ferai un petit truc quand même. Ça part pas très bien là par contre. Mets-moi un full screen là. Chaud là, hein. Il y a des valets full screen mais c'est des valets quoi. Allez, faut qu'on ait une belle de connexion sur la dernière, s'il te plaît. Aïe 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 aïe, 130 balles. Ah, cette fin de hand enculé! C'est quoi cette merde là? 130 balles. Attends, mais comment on peut avoir 1400 récupérés alors qu'on est sur un break-even à 111? Je comprends pas, les frérots là. Un problème. Parce que là, normalement, si on fait un fois 110, on devrait être bon, tu vois. Forcément, une cookie part là. C'est quoi ce. Je comprends pas, parce que là, il nous reste 1400 balles à récup. Il y a une cookie part là, faudra faire appel à la compta. En tout cas, il faut qu'on fasse un x350, les gars, pour être bénef. Et il y a une couille dans le calcul du break-even, là, je pense. Ah, je pense c'est parce qu'il a mis les... Je sais pas. Peut-être qu'il a mis les spins boostés dans le calcul, je sais pas. El Paso. En tout cas, il y a une couille. Dans tous les cas, il faut du bénef, les gars. Il faut un x350 sur El Paso. C'est largement jouable. Un mec doc de la compta aussi. Hein. C'est pas le mathématicien de l'équipe, mon médoc. Allez, volatilité extra. Rien. La merde. Il suffit d'un spin, les gars, sur cette slot. C'est dommage, ça. Allez! Ah, ça suffit pas, je pense que c'est trop dommage. Dommage, dommage, les gars. 243 balles. On va récupérer 10k sur ce hunt, les frérots. 10k tout pile sur les 11003. C'est pas de bénéf, malheureusement. Putain, ça aurait été jusqu'au bout le suspense, les frérots. Par contre, ça, c'est trop cool. Et on finit quand même en dessous du start avec un bonus en x1000 sur Big Bass. Incroyable, les frérots. Incroyable. Suffisait juste d'un spin. Ouais, bah voilà, raté. Du coup, bon, je vais faire quand même 5 gifs de 20 balles, les gars, sur le Discord. Si j'ai un démodo qui peut les créer, 5 gifs de 20 balles sur Magic Hall à gagner. Vous pouvez mettre, je sais pas, 30 minutes pour le tirage.